c'est trop cool. Bon, alors tu auras droit à 3 modes danse, Bingo. Et après, c'est fini. Oui, d'accord. Le chien vert, on traverse. Oh, Bingo, il y a de la musique. Ça te dirait qu'on mette maman en mode danse? Oui, je veux bien. C'est moi qui le fais. Mode danse tout de suite. Vite, on se dépêche les filles. Elle, on la connaît pas. Bandy. Wow, donne tout ce que tu as, Chili. Bonjour, Wendy. Je l'ai trouvée trop rigolote, cette danse. Tu te défends encore, chérie. Tu feras moins le malin tout à l'heure. Dis Bloui, pour le prochain mode danse, ce sera à moi de choisir quand on le fait, c'est d'accord? Ce sera pas toi. Oui, entendu. C'est dans ce magasin que tu vas utiliser ton mode danse, alors? Non, je préfère le garder pour un endroit beaucoup mieux que ça. En plus, il y a même pas de musique ici. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais quel dommage. Tant pis pour toi, moi je commence. Allez. Je suis prête. Tu m'as même pas attendu, vilaine. Tu prenais des milliers d'années. Je préparais un équipement d'alpinisme super important. C'est très difficile. Ton sac à dos est beaucoup trop lourd. C'est pour ça que t'as du mal. Il contient tout mon matériel d'escalade et ma carte du mont papa-maman. Oui, je pars dans la bonne direction. Oh, Bingo. Quelle est magnifique cette vue! Toi! Oh, cette partie de la montagne sent mauvais! Je vais gagner, Bingo! Clic photo et clic photo! Mais qu'est-ce que tu clic fabriques? Photo, tu joues à photo, quoi? On doit faire photo, la course! Clic photo! Ah oui! Oh, ça va être un passage un petit peu compliqué! Viens voir ta maman, mon petit Jiki. Je te chronomètre toujours, Bingo. Mais il faut que j'attrape Jiki. Va te brosser les dents. Moi, je rattrape Jiki. Bon, d'accord. Non, non, tu vas chercher ton chapeau et moi, je rattrape Jiki. Continue à chronométrer. Zut, je le retrouve plus. Tu l'as bien cherché? Oui, j'ai vraiment regardé partout. Oh, il est là, regarde. Oh, ah oui. Bon, allez, Jiki, descends. Qu'est-ce qu'il disait déjà, papy, à l'époque où il était soldat dans l'armée? On se dépêche et on attend. On se dépêche et on attend. Bingo, tes dents! Oh oui, zut! Désolée. Tu t'es pas fait mal? Non, j'ai rien du tout. Tant mieux, aide-moi à remettre ça en place. Oh zut, pourquoi il faut que je t'aide? Oh, j'ai compris. Ah, qui est-ce qui va rattraper Jiki? Oh, c'est moi. Ma banane est par terre. Je la ramasse. Tiens, Bingo, je vais te l'envoyer. Merci, c'est gentil. Beurre, quel un goût dentifrice. Bon, allez, en route. Vous êtes toutes les deux dehors dans une minute. Réveille-toi, Sheila. Je m'appelle Boubou Babou. Boubou Babou devrait aller se coucher. Non, elle va bien. Mais elle aime bien les plantes. Je déteste les plantes. Allez, calme-toi, Sheila. Nous sommes prêts. Prochain arrêt, le musée! Sheila, arrête, ce n'est pas un bus! Voici les menus. Oui, je vous préviens, il va sans doute nous falloir beaucoup de temps pour choisir. Ça m'étonnerait. Oh, tout a l'air vraiment délicieux, chérie. Bip! Il y a de l'eau dans les noix de coco. Sheila, qu'est-ce que tu fais? Mon restaurant. On n'a pas dit qu'on avait choisi. Bloui. Je crois qu'on va plutôt aller au palais des frites. Allez, venez la famille. Des frites. Parfait. Maintenant, il faut résoudre le problème avec ta sœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais essayer de lui demander gentiment. Oh. Et voilà, mes petits manchots. Oh, nom d'une boule de gomme. Je vois que vous avez installé des manchots dans mon salon. Veuillez m'excuser, chère voisine. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. S'il vous plaît, enlevez ces manchots. Mais je n'en ai pas du tout l'intention. Bon, d'accord. Je vais enlever tous mes manchots de chez vous. Merci, chère voisine. Mais où est-ce que mes animaux peuvent aller vivre? J'ai peut-être une idée. Bonjour, voisine. Oh, bonjour. Ça, par exemple, ce sont tous les objets bruyants de mon voisin. Oui, je les ai échangés contre un des petites bonnies.
Oh, que tu es beau. Tu es magnifique. Oui, superbe. Tu es vraiment superbe. J'adore vos animaux de compagnie, cher voisin. Chut! Le petit de Bonnie n'aime pas le bruit. Oh, je vois. Désolée. Pourquoi tu as arrêté de faire les bruits de baleine? Oui! Oh, la baleine s'est ensuite calmée un tout petit moment. Non, t'arrêtes pas. C'est rigolo. Maman, pourquoi papa fait plus les bruits de baleine? Se pourrait-il que cette si majestueuse baleine bleue soit embarrassée de faire plein de petits bruits très bizarres devant un autre papa baleine? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Moi non plus, je ne vois pas du tout pourquoi. Oh, arrête, tu m'aides pas du tout. Moi, je suis convaincue que la baleine se montrera courageuse quand elle sera prête. Quoi qu'il en soit, les pirates étaient toujours prisonniers du ventre du mammifère, sans personne pour les secourir. C'est fini pour nous. Une petite minute, j'ai une idée pour vous faire sortir de son ventre. Oh, mais les pirates ne pouvaient pas entendre le gardien du phare. Ils étaient coincés à l'intérieur de la baleine, d'ordinaire très bruyante. Il ne restait plus qu'une seule solution. Laquelle ? Le plus jeune pirate devait lui aussi se faire avaler par la baleine. Papa? Oui, Charalanda? Je m'appelle pas Charalanda. Bien sûr que si, Charalanda. J'ai pas envie de m'appeler Denise. Si, tu adores Denise. Oh, Charalanda. Changer de nom, c'est pas taquiner, n'est-ce pas? C'est taquiner. Eh bien, c'est pour me taquiner que tu fais semblant d'être moi. Quoi? Je fais pas semblant d'être toi. Si, tu le fais tout le temps. Oui, tout le temps. Maman? Maman? Qu'est-ce qu'il y a, Bingo? J'ai pas dit papa, j'ai dit maman. Oh, d'accord, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Qu'est-ce qu'il y a, ma poussinette? J'ai dit, je veux maman. C'est maman. Tu ne reconnais pas ma jolie voix? Papa n'est pas là. Et c'est vraiment dommage, parce que ce garçon est tellement séduisant, avec ses gros muscles saillants. Oui, c'était maman. Non, rien à voir avec moi. Mais c'est pas taquiné. N'oublie pas d'acheter des haricots pour le dîner, Rita. Oh, qu'est-ce que tu dis, Janet? Le magasin est fermé, Rita. Pardon? J'ai dit, le magasin est fermé. Vous inquiétez pas pour elle, ma chère. Elle cherche juste les haricots en conserve. Hé hey! Où sont les haricots? Écoutez, il vaudrait mieux que... Oh! Janet, réveillez-vous. Ah! Je faisais une petite sieste de mamie, en fait. Oh, j'ai pas trouvé de haricots en conserve. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dessous? Oh, rien du tout, très cher. Hé! Hey! Vous devez payer ces boîtes de haricots. Sauf toi, Rita! J'ai glissé sur la boîte de haricots. Bingo, tu dois respecter les règles du jeu. Tu ne peux faire que ce que les grands-mères font. Et les grands-mères ne dansent pas le flotte. Si, elles dansent. Maman, qui a raison, moi ou Bingo? Oh, va demander à ton père. Ah oui. Allez, viens, boule de neige. Gros singe bleu. Ces martins chasseurs trouvent que tout est amusant. Oh, regarde comme ils sont adorables, boule de neige. Boule de neige? Boule de neige veut câlin. Boule de neige! Ce gorille a pris boule de neige. Boule de neige veut câlin, gros singe. Oh, ça suffit! N'ayez crainte, madame, je vais régler ce problème tout de suite. Oh, vous allez être prudente avec ça, n'est-ce pas? Il n'a pas le droit de faire ça. C'est contraire au règlement des singes. Hé, hey, faites attention à ma petite boule de neige. Écoute-moi, Bingo gelé. Si jamais je t'ai fait de la peine, je suis vraiment, vraiment désolé. Tu dois te sentir très triste quand ton papa fait ça. Alors sache que je t'aime, fillette, et que je ferai n'importe quoi pour toi. Bien! Allons-y maintenant! Oui! Oui! À toi! Wow! Oh, oui! Oui! Vas-y, papa! Oui, tu peux le faire! Je suis le roi!